Retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc vous me retrouvez avec mes nouveaux cheveux, j'ai envie de dire. Pour celles qui n'auraient pas vu le vlog où je suis allée chez le coiffeur, je vous le mets juste en barre d'infos. Donc je vous avais emmené avec moi pendant une journée quand je suis allée chez le coiffeur tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas mal coupé hein. J'ai refait mes racines etc. Donc bon voilà, je m'étends pas sur le sujet, c'est un peu plus court que ce que j'aurais voulu quand même, mais bon, vu que mes cheveux poussent vite, c'est pas vraiment un souci. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le site Néjoli en fait. Donc ils m'ont contacté pour avoir un partenariat avec eux en fait, et donc j'ai accepté. Donc Néjoli, c'est un site asiatique un petit peu dans le style AliExpress on va dire, et vous pouvez trouver de tout. Vous avez alors principalement du nail art, après vous avez donc du maquillage, vous avez plein de petites décos pour la maison etc, vous avez des bijoux, vous avez un petit peu de vêtements également, vous avez un petit peu de tout en fait. Faut vraiment farfouiller un petit peu partout dans le site. J'ai eu également donc un code promo de moins de 10% que je vous mets juste ici et en barre d'infos avec le lien du site bien sûr. Alors en premier j'ai pris ces lunettes là, donc vous voyez l'éclairage en face, c'est super. En fait j'avais hésité entre deux paires de lunettes et j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci, vous avez là la branche qui est dorée et là juste là. Après elles sont assez grandes, assez hautes, elles remontent un peu comme ça. Je trouve que ça me va mieux à la limite maintenant que j'ai les cheveux courts en plus. Elles sont assez légères par contre, je vais pas vous le cacher. Mais bon après voilà, en même temps pour le prix j'ai envie de dire ça fera le temps que ça fera. J'ai vraiment hésité entre deux paires, j'ai pris les plus chères. Alors elles étaient à 3 € et quelques et les deux elles étaient même pas à 3 €. Franchement je les aime beaucoup. Donc comme je vous disais, vous avez les branches là qui sont dorées. Et hop, juste le devant. Vous voyez la caméra avec l'éclairage derrière. Donc voilà, elles sont noires et franchement elles sont assez foncées quand même. Alors bien sûr je pense qu'il ne faut pas se mettre avec le soleil en face. Mais franchement elles sont vraiment pas mal. J'avais envie de nouvelles lunettes de soleil etc. Puisque maintenant je porte des lentilles, enfin ça fait un petit moment maintenant. Et avant, ayant des lunettes, je n'en portais jamais. Donc maintenant du coup j'en profite. Je vous mets les prix quelque part par là je pense, puisque là j'ai pas le site sous les yeux etc, mais elles étaient à 3 € et quelques, ça je m'en souviens. Alors j'ai voulu tester plusieurs choses en fait, j'ai pas voulu acheter que des bijoux ou voilà quoi, j'ai voulu tester un petit peu chaque chose. Donc du coup en bijoux j'ai pris ce sautoir là, alors je sais jamais vraiment quel côté le prendre, c'est comme ça. Donc voilà, avec un attrape-rêve, donc il est assez long, il est dans les teintes argentées on va dire, il n'est pas doré. Là vous avez donc les espèces de plumes ici, là le long, là l'attrape-rêve et les plumes encore en dessous, avec donc des petits, avec un petit peu de couleur bleue. Alors un petit défaut, je vais vous montrer de plus près, en fait il y a juste une plume qui est à l'envers, alors je vais essayer de la remettre à l'endroit moi-même. Mais franchement il est vraiment pas mal je trouve. Donc voilà, franchement ce sautoir rien à dire. Il est vous pouvez le régler encore, l'agrandir encore plus. Franchement j'aime beaucoup d'ailleurs. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, j'aurais pu. Parce que là j'ai aussi mis un sautoir, je vous montre du coup. Bon là j'ai l'autre qui est en dessous. Voilà, vous voyez à peu près où il arrive. Je ne l'ai pas mis tout simplement, j'y ai même pas pensé. Et surtout, j'avais tout gardé dans un coin pour vous faire la vidéo. Et ensuite, j'avais pris, alors je voulais des petits trucs un peu pour la maison, enfin entre guillemets, il y a beaucoup de papeterie aussi. Et là, il y avait des petits stylos sympas en forme de pilules en fait, enfin de, voilà, de médicaments, enfin vous avez compris ce que je veux dire, oui voilà, de pilules. Hein. De plusieurs couleurs. Alors là, petit hic aussi, le problème c'est que, donc vous en avez 6. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu deux couleurs identiques en fait. Donc malheureusement, donc en fait, j'ai eu le bleu, le rose. Alors le rose sur la photo était plus rose pâle. Un espèce de rouge, un orange. Et il y avait également, donc c'était rose pâle, il y avait un vert je crois et un jaune il me semble. Enfin quelque chose comme ça. Je suis un peu déçue quand même. Alors j'ai écrit au site et ils m'ont dit que c'est parce qu'à ce moment-là ça devait être en rupture ou quoi que ce soit. Bon voilà.
Ça me gêne pas trop dans le sens où moi, voilà, j'ai pas payé ces articles. Si j'avais passé la commande et que j'avais payé moi-même, j'avoue que ça m'aurait quand même gêné parce que vous commandez quelque chose. Après, c'est pareil, il y a, je sais plus ce que c'était, quelque chose qui m'intéressait et en fait, la couleur est aléatoire. Vous aviez trois couleurs et je me suis dit, j'ai pas envie de commander un truc si au final, admettons, je voulais rose et je reçois un vert ou un bleu. Enfin, c'était un truc comme ça donc j'ai pas voulu tenter le coup. Donc voilà, donc il y a marqué des petites choses dessus. Donc j'aime beaucoup, c'est en forme de petit ébauchicot. Il y en a un qui fait un clin d'œil, l'autre un bisou, l'autre un clin d'œil, l'autre la petite langue. Enfin voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. En fait, c'est vraiment pour mettre sur le bureau. Je sais même pas si je vais écrire avec, mais bon, c'est vraiment voilà, pour faire en déco sur mon bureau. Et donc voilà, donc quand vous l'ouvrez, hop, vous avez un stylo qui se déplie. Alors il faut réussir, c'est pareil, à le bloquer. S'il se bloque pas vraiment, bon, je pense que vous pouvez quand même écrire, hein, voyez à peu près la hauteur. Pas forcément gênant. Donc voilà, après moi comme je vous dis, c'est rétractable, c'est sûr que ça prend pas de place au moins. Moi c'est vraiment pour la déco, mais voilà, dans une trousse ou quoi que ce soit. Donc, du coup j'ai en double orange, la couleur que j'aime pas, et rose. Bon, rose ça va encore. Et pour terminer, du coup, comme je vous disais, il y a énormément de nail art. Le problème c'est que moi j'en fais pas du tout, c'est vrai que je mets du vernis basta, des fois je mets des paillettes et voilà c'est tout. Après j'essaye d'avoir vraiment que des vernis Kiko. Du coup je voulais pas prendre leur marque en fait tout simplement. Mais j'ai quand même pris ça puisque je vois quelques vidéos des fois sur YouTube où il y a des filles qui font du nail art. Et là c'est du donc je crois que c'est du water décal si je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est ça. Et je me suis dit, alors je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais je me suis dit ça doit pas être très compliqué. Water, hein, vous avez bien compris. À mon avis, je sais pas, vous mettez le truc sur votre doigt avec de l'eau, enfin je sais pas trop, ou alors vous imbibez avec de l'eau et vous mettez. Si vous êtes, si vous faites du nail art, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ça évitera que je recherche, etc. Mais bon, je me dis ça doit pas être très très compliqué. Alors c'était un peu galère puisque il y avait plein de motifs, etc. Là, quand j'ai reçu ça, je pensais que j'allais recevoir peut-être 3 plaques. Alors, j'ai peut-être mal compris, je sais pas trop. En fait, vous avez vraiment juste une plaque, mais ça, je crois que c'était 80 centimes, il me semble, un truc comme ça. Donc, c'était pas très très cher. Mais voilà, ouais, il me semblait qu'il y avait 3 plaques, mais c'est moi qui ai dû mal comprendre, je pense. Ou alors, il y avait le choix entre 3 plaques et vous receviez aléatoirement, je ne sais plus du tout. Voilà, c'est des petits motifs comme ça, bon, assez travaillés. Je pense que je ferai ça en accent nail en fait, tout simplement. Et je pense que c'est pas très très compliqué quand même. À quoi que si je suis bête, en fait, c'est marqué derrière comment faire. Bon, c'est marqué en anglais. Mais ils disent en gros, voilà, de plonger le papier dans l'eau, d'après ce que je comprends, 10 à 20, 10 à 20 secondes. De le mettre, etc. Et après de sécher votre ongle. Alors, ils vous mettent un sèche-cheveux. Donc voilà, j'essaierai. Quand je le ferai, je vous prendrai une photo. Je vous la mettrai sûrement sur Instagram. Donc n'hésitez pas toujours à me rejoindre sur Instagram. Je vous le dis tout le temps. Donc pour information, j'ai tout reçu dans une enveloppe bulle et j'ai tout reçu en même temps. Je pensais que j'allais recevoir plusieurs colis. En fait, j'ai vraiment tout reçu en même temps. Donc ça, c'est très très bien. Tout était emballé dans du papier bulle entre guillemets, mais vraiment, il y avait, vous voyez la quantité pour quelques petites choses. Donc il n'y avait pas de risque de casse en tout cas et de mal recevoir les produits. Et chaque chose était dans des petits sachets comme ça, transparents. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc moi je garde toujours les sachets comme ça, puisque je trouve ça très utile, tout simplement. Bon après, j'ai un tiroir plein de trucs comme ça, mais bon au moins ça me resserre souvent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans l'ensemble, je suis assez contente. Après, c'est comme toujours, les sites dans ce genre-là, on est toujours soit très content, soit souvent pas du tout satisfait. Moi, dans l'ensemble, j'ai pas du tout de soucis. Les lunettes, j'en suis très contente, etc. Un petit bémol sur les stylos, comme je vous disais. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas forcément. Mais comme je disais, pour quelqu'un qui aurait pu payer, je pense que moi, personnellement, ça m'aurait quand même gêné si j'avais payé avec mes sous, tout simplement. Et c'est normal. Mais bon, je leur ai dit, je leur ai écrit un mail, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ça. Je vous mets en barre d'infos le code promo, comme je vous disais. Je vous laisse me dire en commentaire si vous savez pour le water decal. Là, si vous faites du nail art, ça m'arrangerait très très bien. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.